Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo découverte. En effet, grâce à East Asia Soft, j'ai pu récupérer une clé pour télécharger gratuitement le jeu Alpha Particle, un petit jeu indépendant sorti en 2021. Un jeu qui mélange plusieurs genres, action, réflexion, slash casse-tête. On va incarner une petite particule qui va voyager de station spatiale en station spatiale pour récupérer certaines réponses à ces questions, et le scénario va se dévoiler comme ça au fur et à mesure des niveaux. Donc un petit jeu indépendant que je vous propose de découvrir tout de suite après le générique. Et on se retrouve maintenant pour vous présenter rapidement l'extrait de gameplay que j'ai pu capturer sur ma PS4 sur le jeu Alpha Particle, qui est disponible sur tous les stores entre 5 et 10 euros sur PS5, One, Series, PC, Switch, bref, un jeu qu'on trouve à pas très cher. 60 niveaux à parcourir, donc l'extrait de gameplay que je vous ai capturé vous propose le tutoriel plus le niveau 1 et le début du niveau 2. Donc je vous conseille grandement, si vous commencez le jeu, de commencer par le tuto qui va vous présenter les mécanismes de gameplay au fur et à mesure, et comme ça vous serez un tout petit peu rodé avant de démarrer le premier niveau, puisque sinon c'est vraiment pas évident à comprendre. Donc là, à chaque fois, on va déplacer la petite particule blanche dans différents niveaux. Donc là, le tuto, là du coup, on va faire connaissance avec l'accélération pour aller au point B. Là, premier ennemi, donc la petite particule rouge qu'on va devoir amener sur le point d'incinération au milieu. Donc là, on l'attire et puis on essaye de l'attirer. Si on va trop vite, du coup, elle revient au point initial. Donc là, il faut essayer de l'amener sur le point blanc et elle est détruite. Et on peut passer au niveau suivant. La sortie est débloquée comme ça. Donc ça, c'est des mécaniques de gameplay importantes que vous allez être amené à développer durant les vrais niveaux. Donc là, on a une barre de contamination au milieu du niveau. On devient vert. Donc là, impossible d'accéder à la suite du niveau. Donc là, on récupère la possibilité de retenir blanc en se décontaminant. Et on peut ensuite passer au niveau suivant. Donc là, c'est toujours le tutoriel. Donc ça va mêler action et réflexion à chaque fois. Donc là, pareil, il va falloir accélérer pour franchir les blocs blancs. Récupérer assez d'énergie, on franchit les blocs blancs et on peut passer au niveau suivant quand la porte se déverrouille. Donc c'est assez what the fuck dès le départ, il faut vraiment être adepte des jeux de réflexion slash puzzle, ce qui n'est pas trop mon cas, je vous avoue que je n'irai pas terminer ce jeu, mais je le trouve assez sympathique, assez original et qui, pour les amateurs du genre, peut être une proposition intéressante. Voilà, donc à chaque fois on vous explique, alors c'est anglais uniquement, les différentes mécaniques de gameplay. Là on va essayer de vous expliquer comment récupérer de l'énergie. Et débloquer la suite du niveau. Donc là on va arriver bientôt à la fin du tuto. On va franchir la zone de contamination, on va devenir évidemment vert. Voilà. On invoque, on devient blanc et on peut sortir. Donc là, on nous familiarise avec les items pod. Donc faut se tenir prêt, récupérer assez d'énergie et ça va nous permettre d'upgrader. Il y a une petite mécanique de gameplay slash un petit peu type RPG dans le jeu qui va vous permettre d'augmenter vos capacités au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Bon, c'est là que j'avoue que je commence à être un peu perdu devant tant d'informations dès le départ du jeu. Ça commence à devenir un peu compliqué, mais ça vaut le coup, je pense, de s'y intéresser. Voilà, donc là, en fait, on a fini le tuto, on va commencer à avoir des explications sur le scénario et démarrer une première vraie partie.
Donc ça va ressembler un petit peu au jeu de type Portal où en fait vous êtes un peu perdu, vous cherchez des explications, des réponses, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'il faut faire, et on va vous les expliquer au fur et à mesure du jeu. Donc ça peut être intéressant avec des indices qui vous sont donnés au fur et à mesure que vous avancez. Et donc là on va quitter la station Alpha, la connaissance. Ça va être assez philosophique, hein. Bon, bah après moi j'ai pas été très très loin, mais franchement si vous aimez le genre encore une fois, ça peut être pas mal à faire, surtout pour quelques euros, je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc là on va quitter la station Alpha, 3, 2, 1, et on va commencer le vrai premier niveau en allant sur la nouvelle station. Voilà, hop. Donc là, le jeu va vraiment démarrer à partir de maintenant. Voilà, donc on arrive sur le premier niveau. Donc vous voyez, en fait, on peut choisir le niveau 1, 2, 3, 4 à gauche, 7, 5, 6, 7, 8. Et on va démarrer évidemment par le premier. Donc c'est un tableau. Et vous voyez que vous avez les particules rouges à gauche. Donc il va falloir s'en débarrasser avant de passer à la suite. Donc il va falloir les attirer évidemment et les emmener au point de décontamination, au point d'incinération qu'on voyait dans le tutoriel. Ça, c'est le même principe. Et évidemment, à chaque fois, il faut trouver comment le faire avec des petites énigmes. Donc là, je vais mettre un petit peu de temps. Je pense que je vais couper le gameplay ici. Il y a pas mal de mécaniques à retenir et à utiliser au fur et à mesure du jeu. Donc là, en fait, vous voyez, dès que je vais trop vite, bah, l'ennemi revient à la base. Il faut passer par là pour les amener au point d'incinération. Donc là, le point rouge, il va me suivre. Voilà, et hop, il est détruit. Et du coup, la sortie se débloque. Et je peux passer au niveau 2. Voilà, donc là, c'est vraiment le premier niveau, la base. Mais même là, sur la base, j'ai quand même mis quelques retries avant de réussir à comprendre ce qu'il fallait faire. Donc là, on va vous montrer rapidement, je vais vous montrer rapidement le début du niveau 2. Bon, je vais pas pousser plus loin que ça, hein. C'est vraiment un jeu qui n'est, je pense, pas fait pour moi, mais ça peut vous plaire. Voilà, donc là, même principe, vous avez les particules rouges qu'il va falloir détruire, avec cette fois-ci un niveau un peu plus compliqué, avec quelques mécaniques à bien intégrer et à comprendre. Mais voilà, je me suis encore fait avoir. Bref, un petit jeu d'aventure, exploration, énigme, puzzle, action, bref, qui mélange un petit peu tous les genres, qui va se rapprocher d'un Super Meat Boy, d'un petit portal avec des petites énigmes à comprendre et à résoudre. En tout cas, ça peut vous plaire si vous êtes amateur du genre. Moi, c'est pas trop pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir ce petit Alpha Particle qui peut être intéressant, prometteur pour les amateurs du genre. Bye les amis!